Alors, les animations itinérantes, le principe c'était de pouvoir proposer, nous on a commencé à mettre ça en place à partir des vacances de février, sur chaque vacance scolaire et donc pendant l'été, de pouvoir proposer des projets d'animation, soit au Franca où les structures viennent, soit directement dans les structures, sous forme de projet à la demi-journée, donc soit sur une, deux, trois, voire plus de demi-journées avec différentes tranches d'âge, des projets adaptés aux tranches d'âge, donc par exemple pour les tout petits de 6 ans, on a tous les projets Nounoubus qui est un projet d'animation itinérante qui a été développé au Franca de la Sarthe. Après, on a des projets initiation aux arts du cirque, robotique numérique, on a fusée à eau, de l'initiation à l'électronique, des projets vidéo. Et donc, l'objectif c'était de pouvoir présenter, proposer en tout cas aux structures, aux accueils de loisirs et aux séjours. Des animations qui puissent mettre en place sur l'été, sur les vacances scolaires. Et d'autant plus avec le contexte actuel et les restrictions sanitaires où du coup les accueils ont limité les déplacements en car et donc ont aussi fait appel à nous pour qu'on puisse venir intervenir sur différents projets d'animation. Donc nous, ça nous tient tout l'été, donc le mois de juillet et aussi au mois d'août.